Voilà, donc là on arrive devant l'Upicus. La petite checklist avant de commencer le combat bêtement, sans trop réfléchir, de se retrouver avec l'arc court à la place d'un switch d'armes. Vérifiez bien que vous avez épée pistolet et double dague dans vos switches d'armes. Vérifiez également que vous avez un peu plus de on va dire 10, 11 minutes de consommables, histoire d'être sûr de finir le combat avec. C'est à peu près le temps que je mets en voleur et j'admire vraiment ceux qui mettent moins de temps que ça parce que je sais pas quel point ils maîtrisent le truc pour vraiment faire des temps quasiment moitié moins. Même Goku à poil arrive à faire mieux que moi, donc voilà, vraiment un gros GG à eux. Et puis on va y aller. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, je vais m'avancer, je vais m'arrêter à peu près par là, je vais le laisser faire son attaque, et je vais l'esquiver ou tout simplement si c'est les sauterelles m'avancer vers lui. Et dès qu'il aura fini, je vais le pousser dans le mur et je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, donc là je reste au dague pour l'instant, il me fait un verre, j'esquive. Je vais commencer à le taper histoire de pouvoir bénéficier de. Mince. De ma régénération d'endurance au switcher d'armes. Un verre. On esquive. Attention, il va mettre un coup de pied. Enfin, il aurait pu en mettre un. J'ai encore de l'endurance. On va esquiver le coup de pied. On va venir sur lui. J'ai de quoi esquiver un verre. En revanche, là, je n'ai plus rien. Donc, j'utilise mon signe d'agilité. Vous voyez que ça aurait pu être catastrophique. J'étais à terre. Hein. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. J'esquive le verre. Là, j'ai juste assez d'endurance pour esquiver le prochain coup de pied. Et après, il va falloir que je m'arrange autrement. Si jamais j'en ai plus, donc ça va. Pour l'instant, j'ai récupéré. Donc là, j'en ai plus vraiment beaucoup pour esquiver une attaque. Donc voilà, je vais tourner un petit peu plus loin. Et je vais switcher d'arme, tout simplement, puisque j'ai tué toutes les sauterelles. Donc là, j'ai plus besoin de tourner. Je reste sur place et j'esquive les verres, les coups de pied. Et j'attends de voir s'il y a des sauterelles qui apparaissent. Il y en a une, coup de pied. Je switch sur l'épée. On esquive le verre. Attention, coup de pied. On se débarrasse des sauterelles aussi vite que possible. Ah, pas de chance, j'en ai une autre qui a repop. Coup de pied. On esquive le verre. J'ai encore de l'endurance, donc je reste au corps à corps. Coup de pied. Ou pas. Donc du coup j'utilise mon signe d'agilité. Coup de pied ce coup-ci par contre. Et si jamais il me fait pas de. Si jamais il enchaîne un verre, une sauterelle, la prochaine attaque, si je suis au corps à corps, ce sera forcément un coup de pied. Voilà, comme là, je sais que je vais aller au corps à corps, il attend que ça, coup de pied. Hop, j'ai plus de sauterelle, donc je switch sur les dagues, je récupère de l'endurance. Je préfère pêcher par excès de sécurité. En esquivant un petit peu trop, plutôt que risquer de prendre un coup de pied que j'aurais pas vu. Voilà, ça c'est parce que je maîtrise pas encore autant que d'autres. Combat où j'avais beaucoup moins de sauterelles que ça. Ah, c'est parce qu'il veut montrer l'étendue de son savoir sur YouTube. Coup de pied. Coup de pied. Voilà, là j'ai plus de sauterelles. J'esquive le verre, je switch sur les dagues, je récupère mon endurance et je reviens au corps à corps. Donc là j'ai esquivé le coup de pied, je suis passé à l'épée. On esquive le verre. Coup de pied. Là si j'ai pas de sauterelle qui pop, mince, il y a une sauterelle qui pop.
Vous voyez qu'on se rapproche du U là, donc je vais m'éloigner et je vais essayer d'achever la sauterelle avant qu'il passe à sa transition phase 2. Parce que ça va pas du tout m'arranger d'avoir une bébête dans les pattes. Donc là, il attend qu'une chose, c'est que je revienne au corps à corps pour me faire un coup de pied. Depuis le temps qu'il n'en a pas mis, ça le démange, donc faut vraiment se méfier. Donc là, il va m'en faire un. Il va pas tarder à passer dans sa transition phase 2. Donc on s'éloigne un petit peu. C'est moi qui suis infecté. J'utilise hop rapidement mon élite. J'esquive les AOE et je reviens sur lui. Voilà, je ne fais vraiment que l'auto-attaque, je joue la sécurité. On esquive, lui percute. Mon soin est revenu, donc je vais pouvoir revenir hop, sur lui. Attention de ne pas se faire choper par la OE. Vous avez vu qu'il a pop juste après ici. Voilà, j'ai mon soin qui est revenu, donc il va sans doute pas tarder à faire ses AOE. Ça arrive qu'on ne l'ait pas au moment où les AOE reviennent. Là, il va nous faire un uppercut. J'ai les AOE qui sont partis et j'avais pas encore mon soin. Vous avez vu, je me suis arrêté juste avant l'AOE ici parce que j'ai vu qu'elle n'avait pas explosé. Donc il faut vraiment être très très attentif à tout ça. Faut être cool, mais faut être très attentif. Comme le PNJ est mort, vous voyez, il va pas pouvoir se déplacer en faisant comment ça s'appelle, la foulée de l'ombre. Il reste plus qu'à ce que je sois chanceux maintenant sur la transition phase 2, phase 3. Certainement faire des AOE. En général, il est moins cool que ça, il attend pas que mon soin soit revenu pour faire ses AOE, donc du coup pour l'instant j'ai de la chance on va dire. Faut savoir que c'est vraiment pas toujours le cas. Attention, la transition c'est très délicat. On voit pas toujours toutes les AOE. Et il faut être revenu absolument hop, dans son cercle rouge. Vol de vie mono cible. Là je peux spammer droit au cœur puisqu'il va pas pouvoir attaquer directement. L'AOE, donc esquive, on utilise le soin. On peut utiliser le 4 des dagues en venant dessus. Il touche le sol droit au cœur et on rentre dans le cercle. Et on se prépare. Esquiver, j'ai esquivé un petit peu trop tôt. Vous voyez que ça fait quand même de très très gros dégâts, j'ai perdu la moitié de ma vie en deux coups seulement. Donc là heureusement il va nous faire soit la même chose et il va falloir que je me rate pas, soit la OE et à ce moment là ça va me soigner. Il touche le sol, hop, on rentre dans le cercle. Et on ne bouge pas surtout, c'est très très important de ne pas bouger pour pas le déplacer. Voilà, donc le moment pour esquiver, c'est au moment où sa main va arriver au bout de la course que fait son bras. Et du coup, oula. Donc là, hop, je suis un petit peu loin. J'utilise vol dès qu'il a touché le sol.
ça me permet tout simplement de revenir directement dans son cercle rouge. Là, exemple, une bonne esquive bien réussie. Voilà, faut pas trop spammer droit au cœur pour pas que votre perso soit en train de le faire alors que vous auriez besoin qu'il esquive. Vous voyez, mon endurance n'était pas au maximum quand je l'ai vu reculer le bras. Du coup, j'ai utilisé le signe d'agilité directement. Parce que je préfère d'abord utiliser ça plutôt que le switch d'armes, puisque je fais plus de dégâts au dague qu'à l'épée. Et surtout, si votre endurance n'est pas au maximum, restez sur l'auto-attaque de la dague, puisque tous les trois coups, ça va vous recharger un petit peu votre endurance, et ce sera toujours cette fée. Là, j'attends sa prochaine attaque, tout simplement. Je préfère, voilà, ne pas spammer de droite au cœur. Je préfère, on va jouer la sécurité. Et donc, j'attends qu'il attaque avant de pouvoir faire droite au cœur. Droite au cœur, je le fais uniquement quand j'ai fini d'esquiver son vol de vie monocide. Vous voyez, j'avais le cooldown qui était vraiment très très juste. Voilà, donc je fais hop mes deux esquives et je spam droite au cœur, je vide ma barre là. Et maintenant j'attends. Voilà, donc moi j'ai pris l'habitude de me recentrer par rapport à lui et au centre de la pièce quand je sors de la OE, histoire d'être sûr d'être à peu près toujours bien aligné et de pas faire une esquive qui va m'envoyer par exemple dans le mur ici, auquel cas je pourrais pas sortir de la OE. Moi, je pense que c'est un réflexe qui peut être sympa à prendre, surtout que ça coûte rien. Donc là j'avais plus d'esquive, je vais rester sur l'auto-attaque. Là-dessus, mais même quand il a très peu de vie comme ça, méfiez-vous, s'il lance une attaque, esquivez-la. Voilà, et puis là, une fois qu'il est mort, il y a quelques petits projectiles qui partent, qui font un petit peu de dégâts, mais c'est pas très dangereux, de toute façon, vous avez un TP qui vient d'apparaître. Donc, je me souhaite un précu, j'en ai pas eu forcément, comme à chaque fois, et puis voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux l'Upicus, et vous aura donné envie d'essayer de vous mesurer à lui, en face à face, et si c'est pas le cas, de toute façon, que ça puisse vous aider dans vos runs d'Ara, histoire de comprendre au moins ce qui se passe pendant les combats contre l'Upicus, et de petit à petit arriver à mieux gérer, à rester vivant tout le long. Voilà, je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé, ciao !